Et donc un match très important que ce quart de finale, Pierre. Il n'y a plus que 8 équipes en course, 8 équipes qui ont de bonnes raisons d'y croire. France-Espagne, c'est une belle affiche, Pierre. Deux nations qui sont devenues championnes du monde, évidemment, dans l'histoire du foot, ça compte pour un pays. Hein. C'est un match international que nous vous proposons de suivre avec nous aujourd'hui. Une rencontre test, l'occasion de voir l'état de forme de chacun et d'appliquer plusieurs schémas tactiques travaillés à l'entraînement. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Oh, le but, l'ouverture du score dans ce match. La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Le ralenti du but à présent. Il est nettement au-dessus de tout le monde. Elle vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. En plus, le corner était très bien tiré au passage. Peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Torres. Kylian Mbappé. Et la voilà la frappe. On y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. L'un des hommes de ce... Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Mbappé en bonne position. Et le but signé Kylian Mbappé. Ah, tu lui laisses un demi-mètre ou un dixième d'avance, t'es mort. Les Bleus qui sont en train de prendre le large dans cette partie. L'écart qui commence à être très intéressant. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Alvaro Adriozola. Williams. Et le match qui s'achève sur cette belle victoire 3-0. Ça a été assez facile finalement. Ouais, c'est le quart de finale du championnat du monde qui se termine bien pour cette sélection. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout.
C'est la grande finale, on y est enfin. Les joueurs s'échauffent, ça ne devrait pas tarder à commencer. Et on ne doute pas que ces deux équipes vont vraiment tout faire pour s'emparer du trophée. Avec la France contre l'Allemagne. Ah Pierre, on y est, c'est le moment tant attendu, tant espéré par les supporters des deux sélections. C'est maintenant, c'est la finale de la Coupe du Monde. L'ambiance est assez spéciale, il y a de la nervosité, de l'impatience, c'est assez difficile à décrire, mais on peut facilement imaginer la pression qu'il y a sur les joueurs. J'espère simplement qu'on assistera à une belle finale pour clôturer ce mondial. La finale, c'est toujours un match particulier. Hein. Ça se joue. Samuel Umtiti. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Kylian Mbappé. Et le but ! Le premier dans cette finale ! Le gardien qui s'incline. Oui, il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il a fait la différence avec sa tête. On voit ce but sous un autre angle. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. L'équipe de France se pose une question. Nabil Fekir. Kylian Mbappé. Fekir. Attention, parce que là, ça peut sentir la fin. Hein. Oh, voilà, ça y est. Et ce but qui met définitivement son équipe à l'abri. Oui, là, pour croire un renversement de situation, il faut vraiment être optimiste. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Ah, même toi, tu l'aurais mis. Oui. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Et voilà, c'est terminé. C'est la victoire. Ah, quelle déception. Quelle déception pour les vaincus. Ouais, on voit quelques joueurs déjà qui restent au sol. C'est toujours difficile de perdre dans ces conditions. Et la joie collective de cette équipe qui est allée au bout. Elle semble ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait maintenant, puisque c'est acquis. Regardez cette belle scène de joie collective dans le rond central. Ah, ça sent la bonne chouille ce soir, Hervé. Ouais, c'est clair. Pas des deux côtés. Hein. Alors, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier, va pouvoir brandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. Oui, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus le... l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus, quoi. Hein. Alors attention. Enfin, il y en a qui manquent de pudeur parfois, Hervé. J'ai l'impression qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Allez, ils vont brandir le trophée dans un instant devant un supporter quand même. Ça reste un titre, c'est important. Et on voit qu'ils ne se sont pas foulés au niveau podium. Hein. Ouais, c'est, il est un peu en carton, hein, le podium. Deux pauvres panneaux en aglo et en avant d'un grand. Ils sont en train de montrer ce trophée à leurs supporters. Il fait le fier, lui. Hein. Ah ben, il peut. Hein. Il peut. C'est aussi un moment de partage, hein, cette fierté de présenter le trophée à ceux qui les ont soutenus tout au long de la saison.
Ouais, et puis tout le monde est là, l'équipe est groupée. Ça explique aussi la victoire. Hein. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi. On average side by side.